Du coup, coucou YouTube, bienvenue pour la suite de Guard Legacy. Nous sommes à la recherche d'un phoenix et de thunes. Au passage, hein, on va pas cracher dessus. Ah, cette fois-ci, il faut que je fasse Allo Mora. Heureusement qu'on a le niveau 3, au moins on est tranquille pour ça. Nanana. Encore un Allo Mora? Non, c'est... Oh, pour un truc vert, sérieux. Ah bah voilà. Moi qui parlais des trucs en hauteur. C'est tout ce qu'il y a? Attends, il y a des trucs là-bas. De base, je devais suivre un phénix. Le revoilà. Ah! Je l'ai pas vu. Bah, je crois que j'ai loupé des trucs dans la pièce d'avant. Il y a encore des araignées vraiment là? Oh, j'ai pas envie. J'ai pas envie! Bon, c'est la suite ou pas ça? J'ai bien l'impression que c'est la suite. Hein. Oh, dégueu. Les araignées, c'est pas fini. Bon bah ça a clairement l'air d'être la suite, donc bah, faisons demi-tour. On adore. Incendio. En plus j'avais loupé un coffre. Revelio. Ah, la sangsue est sous terre. Tac. Pardon. Bon attends, reviens à la grande salle là. Hop. Revelio. Revenons à la grande salle, il y avait quoi de beau? Ah mais non mais c'est le seul chemin. Oh vas-y, je suis trop con. J'adore perdre du temps. J'adore perdre du temps. Je croyais qu'il y avait un autre chemin. Moi. Non, c'est pas ici que je saute. C'est ici. Plouf. Alors, je pense à pas de coffre parce que j'en ai pas vu tout à l'heure, mais. Dans le doute. On va pas cracher sur un peu de ressources quand même. Surtout que ça permet de faire des potions. Des potions, on en a besoin. Bon, j'arrive plus à me TP dans l'eau. Allez, grimpons. Et continuons le chemin principal puisqu'il n'y a qu'un seul chemin. Donc oui, c'était forcément la suite ce chemin-là. Bon, je peux pas tout savoir non plus. Hein. Ah mais attends, il y a un truc là. Ah non, c'est rien. Ok. Déception. Ok, on se retrouve ici du coup. Hop. Juste pour des champignons. Oui, il y a autre chose que vous voulez pas me dire. Je grimpe. Il y avait une araignée, on se souvient. Ah bah tiens. Action. Quand on parle du loup. Comment toi? Berk. On vient à point à qui c'est attendre. Berk. Qui aime les araignées ici? Personne. Sale pute. Ah! Ah putain, mais. Action! Incendio! Descendo! Bombarda!
Elle m'a fait peur. En fait, je croyais qu'elle était sous le mur et que c'était une araignée géante. Mais non, elle était juste en gros plan sur moi. Horrible. Horrible. Revelio. Envie de canner. JPP. Action. On se reste pas loin. Descendo. Bon parfait. Un peu d'entraînement. Les Glossos. Action. Descendo. Descendo. Infero. Antonoris. Tu mets quoi, toi? Repulso. Rebellion. Action. Incendio. Ça, c'est pour elle, Céleste. Le braconnage. Confringo. Le braconnage, c'est mal. Oui. Incendio. Rebellion. Merde. Si ça occupe. Hop. Ça aussi. Ça aussi. Incendio. Action. Oh merde. Casse-toi, casse-toi. Répulsion. Boum. Rebellion. Faire une dinguerie, moi. Je pense qu'on est good. C'est quoi ça? Qu'est-ce donc? Ah, des champignons. On est très déçu. Je croyais que c'était un coffre un peu spécial ou je sais pas, j'arrivais pas trop à savoir ce que c'était. Revelio. Et puis dernier bien sûr. Waouh. Bonjour. Je suis là pour t'aider. Je vais t'emmener en lieu sûr. Je vais te kidnapper. Excellent. Tac. Il se laisse faire. Il est temps de retourner dans la salle sur demande. Chick va être ravi. Chick va être ravi. Moi, je pensais qu'il allait avoir des petits, mais pas du tout. On allait genre... bah, dans son lit, du coup, il allait avoir les petits, quoi. Du coup, nous avons un phénix. On va pouvoir le nourrir et tout, et... Il va nous permettre d'améliorer niveau 3 nos équipements. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Action. Oula. T'es mort, je peux rentrer au... au ber... Énorme Samir. Petrificus Totalus. Incendio. Bombarda. Axio. Confringo. Defindo. Quelle horreur. Blastus. Descendo. Merde. Infero. Bombarda. Axio. Incendio. Descendo. Defindo. Confringo. Lassus. Incendio. Levioso. Descendo. Bombarda. Incendio. Bien, ça cabire. En plus, avec leur cri de merde là. Quel dommage. Revelio. Quel dommage de. Quoi là, il a dire quoi là? Non, c'est très bien qu'elles aient explosé et tout, qu'elles soient mortes. Hein. Moi, j'y peux, j'en peux plus. Hein. Je vous le dis. Hein. Ça me dégoûte. C'est quoi là? Incendio. Ah oui, c'est des trucs à faire tourner.
Vas-y, vite fait. Répulso. Ouais, sale bête, hein, les araignées comme ça, là. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Faut que je fasse quoi, échec et mat? Cavalier, dame... Et c'est quoi ça, c'est un fou? Revelio. Non, ça marche pas. Ça... Incendio. Confringo. Wingardium Leviosa. Boum. Revelio. Mais cavalier bloque là, la dame bloque black là là. Ça c'est des pions. Ah oui. Wingardium Leviosa. Donc normalement c'est là. Et comment je la remets? Comment je la remesse? Revelio. Wingardium Leviosa. Ou alors c'est une tour. C'est une tour ça, c'est un fou. Revelio. Il saute de ma gueule. Ça marche pas leur truc. Confringo. Je comprends pas ce que je suis censé faire. Repulso. Wingardium Leviosa. Pour moi, faut que je fasse un échec et mat. On est d'accord là-dessus. Comment je redresse cette merde? Je devrais regarder ça de plus près. Alors, la dame. Pouf, elle bloque là. Elle bloque là. Le cavalier bloque là. Donc j'ai juste à le mettre en échec. Mais c'est un pion, c'est quoi? C'est... J'arrive pas à comprendre. Pour moi, c'est un fou. Et vous êtes fou? Oh oui. Confringo. Revelio. Je suis con ou... Wingardium Leviosa. Je comprends pas ce qu'ils veulent que je fasse. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Oh. Ok. Mist. Ok, ok, c'est bon, c'est droit.
C'est droit, c'est droit. C'est droit, c'est droit. Je pète mon crâne. Revelio. Échec. Il peut pas aller à gauche, il peut pas aller. Attends, c'est une tour ou c'est une dame? C'est une dame, ça. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Je suis où en bas? Pour moi, ça, c'est une dame. Ça, c'est un roi. Ça, c'est un roi. Je comprends pas ce qu'ils veulent que je fasse. Parce que là, c'est échec et mat, hein. Wingardium Leviosa. Peut-être qu'il s'assoit là. T'as une idée, Boulpi? C'est une tour, hein. Revelio. Je comprends R. Je comprends R. Wingardium Leviosa. Les faire quand même. C'est objet que tu as transformé en pion? Non, non, pas du tout. C'était sur le côté et... Oh! Bien vu. Bâtard! Ils m'ont bien niqué, hein! Ah, ils m'ont bien niqué! Moi, je pensais que c'était une tour! De base. Ah, ils m'ont bien niqué. Poudlard! Au revoir, Chick! Ah, les salauds! Avez-vous trouvé le phénix? Oui, Chick. Et je l'ai sauvé des braconniers. Il est là, en sécurité. Remarquable! Eh bien, qu'attendez-vous? Chick a hâte de... Vous coupez pas la parole non, non plus. Une merveille. Gardez bien cette plume. Le professeur Weasley et Chick ont eu raison de vous parler de la salle sur demande. Regardez tout ce que vous avez accompli et combien de créatures vous avez sauvées. Le phénix est sain et sauf grâce à vous. Je n'aurais pas réussi sans ton aide, Chick. Merci. Chick vous remercie de ces gentils mots et il est reconnaissant d'avoir pu vous aider. Après vous avoir aidé à sauver autant de créatures, Chick éprouve un sentiment de paix qu'il n'a pas ressenti depuis des années. Chick sera toujours là quand vous aurez besoin de lui.
Nice. Allons voir ça. Y'a là mon petit. Tiens, j'ai placé un truc à bouffer en attendant. Hop. Placer en mode bas les couilles. Un truc pour se reproduire pendant qu'on y est. Et boum. Et boum. Rebellion. Bon bah fouillons cette zone encore une fois. Parce qu'il y a encore des trucs importants à choper je pense. Ouais, plein de coffres là. Ah non, pas d'araignée. Hein. Oh, ça suffit les araignées. Hein. J'ai donné. Hein. Rebellio. Et ça va toujours pour nous. Ça fait penser à Dago et Max, voilà. Action. Rebellion. Action. Le dernier qui était en haut, je crois. Pouf pouf. Il y a peut-être un là-haut. Action. Rebellion. Et bah non. Je ne vois rien à ramasser le plus. Ok, comment je sors? Merde. Là. Bon, avec une plume de phénix, est-ce que je peux pas par hasard me mettre un truc niveau 3? Non, pas lui. Pas lui non plus. Ok, il me faut juste des fourrures de veau de lune. Devriez vous réjouir. Vous avez préparé. Viens là toi. Merde. Toi. Putain. Je ne te veux aucun mal. J'en ai marre de faire des bêtises. Alors, tac. Tac. Tac tac. Donne-moi ça. Moi c'est. Donne-moi ça. Hop. En plus on va avoir un petit succès. Vous allez voir. Tac. C'est genre toi. Boum. Jamais 203. Voilà. Voilà voilà. Ok, du coup, Sébastien. Ok, équipement, on en est à combien sur combien? Ah ouais, je vais aller vendre des petits trucs.
Je vais aller vendre des petits trucs. On est bientôt à 69% du jeu. Hein. C'est un chiffre que j'aime beaucoup. Préolard. Ah, il y a une quête ici. La licorne unique. J'en ai marre. J'en ai marre. Je veux aller voir Sébastien depuis 10 heures et... À chaque fois, il y a un truc qui m'empêche d'y aller. Enfin, il y a un autre truc qui m'empêche. Réveillon. Ça va toujours pour nous. Joie de vous revoir. Nanana. Oh, vous avez peut-être quelque chose que Penny pourrait vendre pour vous. Ça va toujours pour nous. Elle demande la moula. Putain, en vrai, j'ai plus beaucoup de thunes. 12K. J'étais à 30K, il fut un temps. Bon, après, j'ai acheté plein de trucs chers aussi. Bonne chance pour la suite. Merci. Merde, c'est pas pareil, comment ça. Ouais, bon, bah, go choper la quête qui est à côté. Hein. Pas forcément la faire dans l'immédiat, mais go. Go la. Ouais, si, on va la faire direct, on sera tranquille. Je vais aller voir Sébastien, moi. Est-ce que tout va bien? Gentil de poser la question. Je m'appelle Betty. Betty Bugbrook. Et non, tout ne va pas bien. C'est ma chère amie Noisette. Oh, elle a des ennuis. Noisette? Oui, c'est une licorne. Je la connais depuis des années. Elle n'aime pas quitter la forêt. Alors, je vais la voir une fois par semaine pour lui brosser la crinière et lui donner des friandises. Sa robe est magnifique. La dernière fois que je l'ai vue, nous nous sommes fait attaquer par une meute de loups. Noisette, toujours aussi loyale, a bondi devant moi pour me protéger. Et je crains qu'elle n'ait été blessée. Ah, j'en suis désolée. Je veux l'aider, mais elle semble s'être réfugiée quelque part, par peur, certainement. Je sais que Poudlard dispense des cours sur les créatures magiques. Oui. Vous pourriez peut-être trouver ma licorne et la mettre en sécurité le temps qu'elle guérisse. On peut la garder, hein. Je vais me mettre en quête de votre licorne. Si je la croise, je la mettrai en sécurité. Oh, votre âme est pure. On fera un bébé licorne. Mais je vous en prie, ne prenez pas de risques inconsidérés. Je ne sais pas exactement où elle se cache, mais son repère se trouve au nord de Préolard. Et même si je n'ai pas pu la brosser ces derniers temps, je reste persuadée que sa robe est toujours aussi brillante et resplendissante. N'oubliez pas, vous la reconnaîtrez grâce à sa robe. Oui, bon, on va pas la faire. Hein. Flemme. Enfin, flemme. On va d'abord faire ça. Parce que je suis très curieux de la suite. Et puis on va peut-être apprendre à Avada Kedavra dans pas longtemps, donc Je dois chercher une licorne à la robe lumineuse. Oui, plus tard. Plus tard. Hop. Coucou. Sébastien. Une relique enfouie dans des catacombes qui nécessite un sacrifice obscur. Oui. Je sais de quoi ça a l'air, mais si ça peut t'aider, le jeu en vaut la chandelle. Est-ce que Minis est au courant? Il m'a aidé à trouver le scriptorium où on a découvert le livre de sorts de Serpentard. Très bien. Si Ominis est là, je vous rejoindrai. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Solomon veut quitter Falcroft. Je crois qu'elle l'aime bien. Hein? Partir? Peu importe. Tu dois le retarder, Anne. Gagner un peu de temps. S'il te plaît. Je ferai de mon mieux. Je te donnerai des nouvelles. Solomon ne peut pas arracher Anne à Feldcroft. Où irait-il? Quand la verrai-je? Sébastien, je n'arrive pas à croire que mon oncle veuille quitter Feldcroft. Anne doit le retarder. Nous avons besoin de temps. De temps? Pourquoi? J'en sais plus sur la relique. J'ai comparé le livre de sorts de Serpentard à ce que j'ai trouvé sur les reliques et sur les sacrifices obscurs à la bibliothèque. Et j'ai fini par réaliser quelque chose. La relique ne fonctionne que dans les catacombes.
nous devons amener Anne dans les catacombes, puis faire un sacrifice. C'est... risqué. Le jeu en vaut la chandelle. Notre plus gros défi sera certainement de convaincre Minis. Anne n'acceptera que s'il est d'accord. Et ton oncle ne doit rien savoir. S'il prévient le directeur, nous pourrions être renvoyés. Cette fois, laisse-moi m'occuper d'Ominis. Quant à mon oncle, il n'est plus Aurore. Ce qu'il ignore ne peut pas lui nuire. Bonne chance avec Ominis. À la prochaine. Je te préviendrai quand il sera temps de se retrouver dans les catacombes. Attends, mon hibou. Je ne suis pas un hibou. Et là, on apprendra à Avada Kedavra, normalement. Dans la logique des choses. Je m'attendais à ce qu'il y ait une petite série de quêtes, mais pas du tout. On est un peu déçus. Ça va toujours pour nous. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre. Ça, on l'est déjà dit. Ah, si, on va plus vite en fait. Je me demande qui vivait ici. Je sais pas. Je vais pas du bon côté. Revelio. Oh. Qu'est-ce donc ? Qu'est-ce donc ? Attends, j'ai ramassé un truc, c'est ça ? Non. Ça ? Attends, je viens de ramasser un truc. Et ça m'enclencherait ? J'ai pas compris. On va faire comme si on avait un vu. Ça m'intrigue. Oh. Il fallait un Moradis là, c'est ça? Forcément. Action. Incendio. Descendo. Bombarda. Classius. Confringo. Ifindo. Revelio. Ah là là, les morts ils sont bruyants. Hein. Allô, Mora. Allô, Mora. Ça va toujours pour nous. Revelio. On a toujours pas eu notre nouvelle créature. Noisette doit être par ici. Noisette. Oh putain, elle court vite. Leclosso. Et Noisette. Il s'est trompé de touche. Oh les centaures, ça boum. Genre. Putain, on m'a fait voir de tout, des vertes, il est pas mûr hein. Salut. Qu'est-ce qui se passe? T'as vu. Je peux emmener Noisette dans un vivarium. Tu devrais dire à Madame Buckbrook qu'elle va bien. J'ai vu un truc. C'était quoi? Revelio. J'ai vu un truc pendant que je la pourchassais. Ah oui, des centaures. Bonjour. Je veux discuter, se taper. Non, pas de... Ok, tout a l'air d'aller dans le meilleur des mondes. Très bien.
C'est bon, on m'a sauvé Noisette. Madame Bugbrook, j'ai trouvé votre licorne, Noisette. Oh, quel soulagement! Elle va bien! Et vous, vous allez bien? Vous avez un endroit pour la mettre en sécurité? Nous allons bien. Et j'ai un endroit sûr à Poudlard. Vous avez bon cœur, c'est certain. Je suis soulagée et je vous remercie de vous occuper d'elle. Mon cheval cornu va me manquer. Mais je sais qu'elle sera plus en sécurité loin des braconniers. Dans mon sac. Passez-lui un bon coup de brosse pour moi. Prenez bien soin de Noisette. Mais oui. Alors, carte du monde. D'ailleurs, je vais regarder un truc, c'était Préolard. Préolard, j'ai tout fait. On est content. Et Poudlard, il manque deux coffres à collection et deux demi-guises. Bon, ça. Et 8 pages du guide du sorcier. Nous, on va se diriger par ici. Et bien sûr, les quêtes, on les fera un jour, un de ces quatre. Faudra qu'on fouille aussi. Putain, je me fais agresser direct. Hein. Il y a des mobs partout. Enfin, je me fais pas agresser, mais il y a des mobs autour quoi, qui me veulent pas du bing. C'est bon. Tout va bien. Sébastien. Scout n'a rien pour elle. J'ai reçu ton hibou. Merci. Je suis content de te voir. J'ai repéré des fidèles de Ranrock qui arrivaient de la côte. J'ai entendu l'un d'entre eux dire qu'ils se dirigeaient vers une autre grotte, semblable à celle qu'on a trouvée. Comment se fait-il qu'ils aient une longueur d'avance sur nous? Ils ne peuvent pas connaître l'existence du triptyque. Je ne sais pas. J'ai vu un autre souvenir. Cette fois, il s'agissait d'une gardienne nommée Niamh Fitzgerald. Elle semblait contrariée par la façon dont Isidora utilisait la magie ancienne. Mais je ne sais pas encore si tout cela a un rapport avec Ranrock. Ces gardiens se moquent tout bonnement de toi. Tu dois leur tirer les vers du nez. Ça ne marche pas comme ça. Pour accéder à ces souvenirs, je dois réussir une épreuve. C'est pas aussi facile que tu le penses. Ils me montrent les souvenirs dans un ordre particulier. Soit ils ne te font pas confiance, soit tu ne te soucies pas assez d'Anne pour poser les bonnes questions. Bien sûr que je me soucie d'Anne, Sébastien. Ne laisse pas ta frustration prendre le dessus. On y est presque. Bon, pour l'instant, je vais m'en remettre à tes amis les gardiens. Mais ça ne me plaît pas du tout. On n'a pas le choix. Bon, essayons de comprendre pourquoi le triptyque nous a menés ici. Allons-y vite. Sébastien, tu commences à me fatiguer. Fais attention. J'ai vu des larbins de Ranrock s'éloigner du chemin. Révélio. Je me demande pourquoi. Pour piller, j'imagine. Cette montagne abritait les objets de valeur des hameaux du coin. Mais elle a été abandonnée quand Ranrock s'est emparé d'elle. Je t'aime bien, mais... Ça suffit, là. On est copains. Tu me fais confiance. Point barre. C'est calme, Petrificus Totalus. On va pas me faire chier, lui. Ah non, c'est pas un coffre de collection. De loin, j'avais l'impression. Action. Tac, tac, tac. Allez, on continue. Revelio. Des sombrales devant. Tout le monde ne le pense pas. Je vois aucun sombral, mais c'est je pas le sais bien. D'accord. Je préfère faire la silence. Pas d'araignée, bon. Action.
Merde, j'ai raté le coffre. Ouais. Ah, j'ai dit, il n'y a pas de coffre. Je fous de ma gueule. C'est cool, on complète les trucs en même temps que l'histoire principale. On fait les choses, on optimise les choses. Rebellion. C'est quoi cette merde? Ah, c'est juste des branches. Incendio. C'est triste que nous puissions tous les deux voir les sombrales. J'aurais préféré qu'on ait un point commun un peu plus joyeux. Ah, c'est vrai, c'est normal, c'est qu'on a perdu des êtres chers, c'est ça? Réflexion. Bah. Ah non, merde. C'est ça. Flipendo. C'est pas bon là? Ah non, c'est pas bon. Ah oui, ok. Flipendo. Ouais, là c'est bon. Revelio. Il y en a deux normalement. Trois? Il y en a trois, ces merdes là. Ah ouais. Ouais. Mais... Ah là là, je me fatigue. Flipendo. Et bon. Après 150 épreuves de Merlin, on est bien. Ah non, d'accord. Grand chien. Ok. C'est bon, j'ai fait mon petit détour, on peut continuer. Tout va bien. Attends, nous devons d'abord trouver un plan. Comment ça t'en a assez des plans? Revelio. Ils sont tous aux aguets de fou là. J'ai envie de les allumer. J'ai la flemme d'attendre. Avoir des hallucinations. J'ai pas touché à ton home, mais merci de m'avoir accusé immédiatement. Oh. C'est bien ce que je pensais. Ils veulent pas tous se retourner. Comme ça j'arrive, pétrifier tout le monde et c'est fini. Non.
l'ai entendu. Action. Au moins, quand ils sont paqués, oh, le carnage est vite fait, quoi. Je serais plus discret qu'un Joe Barbie. Un Joe Barbie. Revelio. T'as envie de mourir, c'est ça? Allez, ramasse! Encore un truc bugué. J'en ai ras le cul. Ils m'ont gavé. Ça m'a saoulé d'eux. Qu'est-ce qui t'a pris? J'imaginais des gobelins morts. Ça aurait pu nous coûter la vie. Mais on a survécu. On dirait que les fidèles de Ranrock. C'est moi qui les ai attaqués. Continuons d'avancer. Oh, ça m'énerve ça. Ça m'énerve! Ça bug! Incendio! Donne-moi ça. Et ça aussi. Là-bas, c'est la suite. Je vais checker là-bas vite fait. Revelio. Action. Juste une petite murotte. On peut la faire vite fait. Revelio. Tout cassé. Repulso. Ok. Je comprenais pas trop ce que Rébellion. C'était. Mais oui, c'est... Ok. Effectivement, oui, c'est bien. Non ! Il fait niquer. Gobelin nous appartient, qu'il s'agisse d'une épée ou d'un dépôt, ça nous revient. Tu as entendu ce gobelin? Ses notions de propriété sont ridicules. Oh! Comment je monte? Tu me fais la courte échelle, mon petit Sébastien? Alors comme ça, ça marche. Mais lui, il a pu. Mais c'est quoi cette histoire? Silencieux comme la mort. Je suis cible. Pion, pion. T'as peur de m'affronter? Action. Revelio. Les fidèles de Ranrock méritent le même sort. Bon travail. Ah, il les aime vraiment pas, hein. Ils sont si mignons pourtant. Il y a quoi de beau ici? Classis, Confringo. Incendio. Revelio. Il y a des poules. Cher résident, l'inspection de votre poulailler aura lieu dans 2 semaines dans le cadre de l'enquête du ministère qui fait suite aux rumeurs d'élevage illégal de basilic. Merci de vous assurer qu'aucun crapaud ne se trouve sur les lieux et de vous rappeler qu'une telle infraction est passible d'une incarcération à perpétuer à Azkaban. Veuillez contacter le département de contrôle de la régulation des créatures magiques du ministère de la magie si vous avez des questions. Revelio. Incendio.
Revelio. Revelio. Je suis d'accord. Un bon sorcier, c'est un sorcier mort. Radrock a raison. Et je compte bien l'aider à atteindre ses objectifs. Super l'ambiance. C'est le meilleur repas que j'ai mangé. Oh merde. Action. Cette merde. Je n'ai aucun mal à devier. On t'envoie ici. Impero. Action. Incendio. C'est sûrement ici. J'ai pas été très fin sur ce coup-là. Sébastien, attends. Attendre ? Pourquoi ? Oh, pourquoi tant de prudence tout à coup ? Écoute-moi. Je sais que t'es en colère et que t'es contrarié. Mais en fonçant tête baissée, tu pourrais réduire à néant tous nos efforts. Lodgok a dit... Hein ? Ton ami, le gobelin. Arrête, ça suffit. Tous les gobelins ne sont pas comme Ranrock. Je suis dans ton camp. Nous voulons la même chose. Trouver des réponses. Je pensais qu'on voulait la même chose. Et c'est le cas. Écoute-moi. Lodgok a des informations sur Ranrock que nous n'avons pas. Il m'a dit que Ranrock était au courant de l'existence des gardiens et fouillait tous les endroits en lien avec eux. C'est pour ça qu'il semble toujours avoir une longueur d'avance. Je sais ce que je fais. Tu dois me faire confiance. Sans quoi, nous ne pourrons pas continuer ensemble. Bon, bon. Merci. Je suis désolé. J'ai laissé mes émotions prendre le dessus. Et ce n'est pas la première fois. Je te fais confiance. Et je ne pense pas pouvoir aider Anne sans toi. Bien. Ranrock en sait plus que nous le soupçonnions. Il faut faire attention, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Et certainement pas foncer tête baissée. Nous avons beaucoup à faire. Nous devons travailler ensemble si nous voulons avoir une chance de trouver la dernière pièce du triptyque. C'est bon, on l'a remis en place. Revelio. Confringo. Ça va vite avec moi. Tous les fidèles de l'Europe méritent le même sort. Tu l'as déjà dit ça. Un petit donjon. Un petit coffre. Il y a un peu curieux ce donjon. Une intrigue, je sais pas pourquoi. Une sensation de inimportant, mais alors que pas du tout, je pense pas. Ah putain, mais il y a un feu ici. Je vais le choper tout de suite. Même si à tous les coups on va jamais revenir parce que j'ai tout fouillé. Hop, au moins c'est activé. Revelio. Et puis en plus il y a un succès à avoir tous les feux cheminés, donc. J'ai tout récup. Ok. Tunnel de la tour, c'est parti. Revelio. Jusqu'ici, tout va bien. Charmant. Des araignées. Tout est normal. Wingardium Leviosa. Bingo. Action. Incendio. Descendo. Repulso. Action. Incendio. JPP Revelio. Les araignées. JPP. Bombarda. Revelio. Action. Incendio. Descendo. Repulso. Descendo. Confringo. Confringo. Classis. Defindo. Confringo. Merde. Defendo. Action. Incendio. Descendo. Impero. Bombarda. Action. Incendio. Descendo. Bombarda.
Pfiouf. Les araignées, hein, toujours et encore et toujours. Elles vont pas nous lâcher. En vrai, je pensais pas qu'il y en aura autant. Hein. Moi, je me suis pas engagé pour ça. Hein. Incendio. Je me suis clairement pas engagé pour ça. Hein. Moi, je me suis dit, on va aller dans l'univers d'Harry Potter, machin. Dans Harry Potter, on voit les araignées une fois dans toute la série. Allez, deux fois. Ce coffre était à deux doigts de tomber. Oh, je pense qu'il en faudrait... Action. Rebellion. Sur 8 films, là, en moins de 2 heures, j'en ai vu des milliards et des milliards. Oui, j'aime bien être dans l'abus. Ces araignées ont l'air bien décidées à nous dévorer. On doit être plus ragoûtant qu'une paire de gobelins. Je veux quoi elle? Genre. Oh le bâtard. Coup de main, monsieur. Action. Ah, mais c'est un gobelin. La crève. On en est là. Confringo. Ça marche pas. Revelio. Ça marche pas. On appelle ça le karma. L'escalier mènerait-il ici? Quel intérêt? À mon avis. Personne n'est venu ici depuis une éternité. Non, jure. Incendio. Rebellion. Sale bête. Confringo. Merde. Confringo. Rebellion. C'est bon, c'est fini d'araignée? Pas du tout. Regarde un peu cet endroit. Ce n'est pas mon style. Un peu chargé, si tu veux mon avis. Action. Incendio. Descendo. Incendio. Bombarda. Confringo. Action. Incendio. Levioso. Descendo. Confringo. Bombarda. Action. Descendo, descendo. Antonoris. Confringo. Defindo. Une grosse, un plaisir. Fring, incendio. Descendo. Bombarda. Confringo. Confringo. Ben, ça suffit les grosses là. Action. Reste là. Descendo. J'en peux plus les araignées. Traverser la grotte ne doit pas être la seule épreuve. Nous devrions peut-être chercher d'autres runes. Action. JPP des araignées, JPP, je vous le dis moi, JPP. Oh. Ça me tend. Si fort. J'ai déjà vu des symboles runiques similaires. Oh. Confringo. Est-ce que je trouve ces coffres par chance ou par instinct? Revelio. C'est moi qui les trouve, il est fou lui. Confringo.
dépêchons-nous de sortir. Revelio. C'est une avancée majeure. Le pouvoir que j'ai obtenu avec mes professeurs, celui grâce auquel j'ai invoqué et construit de si beaux piliers, doit être drastiquement pondéré pour la tâche délicate à laquelle je m'attelle désormais. Si cela ressemble à la suppression d'un souvenir, la magie employée est bien différente. Alors que je me retire de la moindre nuance de douleur au-dessus du cœur, une légère brume a fait son apparition avant de disparaître tout aussi rapidement. J'ai ressenti un sentiment de paix comme si on me confirmait que j'étais sur la bonne voie. Je me demande si la brume peut être capturée, si les souvenirs peuvent être stockés dans une pancine. Je gage que ces extraits peuvent être conservés afin de les étudier plus qu'avant. Revelio, Sébastien, il y a un extrait de journal. Essayons d'en trouver d'autres. Elle aurait quand même pu garder tous ses textes au même endroit. Quand même. Oh, un troll. Bah super. Putain, mais... Je me trompe de touche. Ah, niveau 34. Incendio, Levioso, Confringo. Difindo. Confringo. Protego. Levios, Confringo. Incendio. 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 Ah. Plus de batterie. C'est vrai qu'il m'a dit tout à l'heure qu'il n'y avait plus de batterie. En colère pour souder une amitié. Revelio. Réparo, mais réparo demain. Enfin, mardi plutôt. On va s'arrêter là pour aujourd'hui en vrai. Oh, 70%. 70%, 70%. Hop. Ça avance plutôt bien, gay. Plutôt bien, gay. Touk. Hop. Hop. Tac. Ok. Bon. YouTube, on va faire une petite pause. Et venez, on revend les licornes. J'imagine. On va faire une petite pause. Enfin, une petite pause. Moi, je vais arrêter là, je veux dire. On a quasiment vu tous les ennemis. Par contre, du coup, on va faire tous les... Utiliser le... de la magie ancienne sur tous les ennemis. Au secours, quoi. Au secours. Tac. On a quasiment tout ici. Ah. Il ne reste plus qu'une créature. Bah, la créature qu'on. Ici, là. J'ai oublié le nom. Et voilà. Il ne reste plus que le pantalon à mettre. Et puis voilà, voilà. Bon, YouTube, j'espère que cet épisode t'a plu. Je vous dis à demain ou à dans deux jours pour la suite, comme d'hab. N'hésitez pas à aller voir le Let's Play d'Offi. Et de rejoindre le Discord, mais évidemment, tous les liens sont en description.
Voilà, voilà. Sur ce, portez-vous bien. À la prochaine.